Saint-Esprit. Beaucoup de gens dans la vie croient que c'est le Saint-Esprit qui agit, souvent c'est le Python. Et bien, nous avons découvert le Python hier, la nuit à 4h du matin, c'était le Python. Amen. 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 Vous savez que l'esprit de Python peut dire les choses vraies. Mais le sens est mauvais. Et ça crée tous les désordres et l'empoisonnement. Amen. Moi, ça rend Dieu à Dieu pour ceux qui savent ce que moi je parle, on va prendre la charge de tout le monde. Amen. À 4h du matin, c'était clair. Et pourtant, le premier jour, quand on a prié, on a dit c'était l'esprit de serpent. Quand on parle de l'esprit, pas de serpent, souvent on croit le diable, mais c'est pour le Python. Le Python, c'est l'esprit de divination qui est derrière. Alléluia. C'est l'ennemi de l'onction des prophéties. C'est l'ennemi des vraies églises de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le discernement était très, très, très important. Amen. Les choses de Dieu, on va lentement. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Sois béni et sois exalté. Amen. J'ai l'impression que la loi n'est pas finie dans le cœur. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Aïe, aïe, aïe. J'espère que la prochaine fois, on va réserver pour les pasteurs que les gens puissent se suivre un peu les fois. Hein. Amen. Mais il n'y a pas de problème. Amen. Je me demande si pour la même mouchoir. Hein. Amen. C'est un mouchoir guérissait les gens. Ah, voilà. Là, j'ai vraiment je ne peux pas dire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, nous continuons l'enseignement que nous avons commencé depuis le début de l'année. Nous sommes en train d'enseigner comment l'Esprit parle cette année, c'est une année de paix où Dieu rend les choses impossibles possibles. Amen. Quand j'ai enseigné ça, hier, depuis 5 mois, j'ai écouté un de mes pères, pasteur béni. Hier, j'ai écouté, il parlait de la même chose que je suis en train de faire enseigner aujourd'hui. Amen. Amen. C'est-à-dire que l'impossibilité va devenir possible par les choses que nous sommes en train de voir depuis la série que nous avons commencé. La première chose que nous avons vu, la première condition transformant l'impossibilité à la possibilité, c'est la foi. Nous sommes encore au facteur numéro 1, je ne sais pas à quel moment nous allons terminer. Amen. Et dans la foi, on est arrivé à la série que j'ai déjà enseigné il y a quelques années un peu, que j'ai intitulé les indicateurs de la foi. Amen. Vous vous souvenez de 1 Corinthiens 13, verset 5. Frère Nari, tu peux prendre cela. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Amen. 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 Merci. Amen. Amen. 1 Corinthiens 13, 5. Oui. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Mais reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous. Amen. 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 Tout le monde est là dans cette page. C'est seulement le verset 5. Oui. On va avancer sinon, je vais devenir en moins de 20. J'ai plein de choses à vous enseigner cette année ici. Amen. L'enseignement bouscule les cœurs, Je ne sais pas, je n'arrive plus à dormir. Il faut que je livre la marchandise, sinon c'est problématique. Amen. J'ai hâte que Chabab grandisse pour m'aider. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 13, verset 5, dit simplement, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est dans vous. À moins que vous ne soyez réprouvé. Amen. Je veux dire que quelqu'un qui a une autre version puisse nous lire cela. Une autre version, frère Jimmy, s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 13, verset 5. Amen. Mettez-vous à l'épreuve, examinez-vous vous-même si vous vivez dans la foi. Vous reconnaissez que Jésus-Christ est parmi vous, n'est-ce pas? À moins que l'examen ne soit un échec pour vous. Amen. À moins que cet examen ne soit un échec pour vous. À moins que vous reconnaissiez que vous n'êtes pas dans la foi. C'est ce texte que l'Esprit a pris pour me donner. C'est tout cet
enseignement qu'on appelle, j'ai donné quelques années le symptôme de la foi qui a profondi, qu'on appelle les indicateurs de la foi. C'est des choses que moi je peux voir, toi tu peux voir dans ta vie pour savoir si tu es de la foi. Parce que si tu n'es pas de la foi, c'est pour, ta vie sera problématique. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Tout ce que nous faisons, prière de délivrance, prédication, et chasser les démons, et des projets grandioses que nous voulons aborder, c'est fait toujours par la foi. On a intérêt à avoir la foi, parce qu'un jour, votre foi va être éprouvée. Si Dieu a testé le père de la foi, qui s'appelait Abraham, il va tester notre foi aussi. Alléluia. Amen. C'est pour ça que c'est très important la série que nous avons commencé à avoir des indicateurs de la foi pour soutenir nos bien-aimés qui n'étaient pas avec nous. Nous avons commencé par les premiers indicateurs ou les premiers symptômes pour ceux qui aiment les termes médicaux. Amen. C'était l'hardiesse et le courage. Je ne vais pas revenir sur ça. On a prêché deux dimanches sur ça. Vous savez que Dieu a dit à Josué simplement, prends courage dans le premier, dans un chapitre quatre fois. Alors que c'est Dieu qui avait dit, c'est toi qui succèdes à Moïse, conduis le peuple à Cana. Alléluia. Le courage n'est pas parce que Dieu, quand il te met dans une dimension de foi, je répète, il met toujours la barre très haute. Il te faut la foi, mais la dimension de la foi qui te conduit, c'est le courage. Et puis on est venu par le second indicateur qui est la fermeté. Des fois, dans ce courage que tu prends, il peut y avoir des événements qui essaieront de te distraire, ou les gens qui essaieront de te distraire, ou qui des situations qui essaieront de te décourager. Toi, reste ferme. Si tu sais que c'est Dieu qui a dit que tu vas aller obtenir cela, tu vas l'obtenir. Alléluia. On a prêché sur la fermeté, je crois, un dimanche aussi. Et puis, dimanche passé, on a vu la tranquillité et l'assurance. Amen. Alors, je ne vais pas revenir sur ça parce que je vais enseigner sur la paix aujourd'hui. Ça va un peu revenir un peu sur quelque chose de la tranquillité, mais c'est différent. C'est différent. La tranquillité n'est pas la paix. Alléluia. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui là. Amen. Et puis on a vu l'assurance. Amen. On a vu le texte de Hébreux 10, verset 35, il dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est rattachée une grande rémunération. Et les chrétiens, amen, qui ont peur de venir devant Dieu. Puis, nous voyons le cinquième indicateur de la foi qui s'appelle la paix ou le shalom. Alléluia. Amen. C'est un grand mot, n'est-ce pas? Vous voyez même l'ONU et l'UNESCO, l'UNESCO donne des ambassadeurs de la paix. Amen. 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 Donc c'est un mot même que le monde a pris pour créer une paix qui n'en est pas une. Alléluia. Amen. Amen. La paix que nous allons parler de la paix dans sa dimension de la foi, dans l'implication de la foi, comment la paix se manifeste. Parce qu'un homme de foi, c'est un homme de paix. Celui qui a foi manifeste la paix. Amen. Allez, c'est comme nous allons voir en détail. Amen. Ça m'a pris, je crois, c'est profond là. J'espère que je vais terminer aujourd'hui. Amen. Amen. Souvent, voyez un peu, si toi tu ne connais pas la paix, sois sûr que tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas confiance en Dieu. Tu n'as pas confiance dans la parole. Alléluia. Il y a des événements qui vont se faire dans la vie que les gens vont voir, mais cette personne devait être en trouble. Mais tu regardes, tu es en paix. Cette paix-là, on l'appelle la paix qui suit pas toute intelligence. Amen. C'est inclus dans le shalom. Le shalom, c'est plus grand que ça, que la paix d'émotion. Le shalom a une notion, quand dans le bras on dit shalom, ça a une notion de sécurité, une notion d'intégrité, une notion de rien ne manque, une notion de, je dirais, de. Oh, ma chique, qu'est-ce que j'écrivais encore hier? Amen. Une notion de prospérité pour ceux qui aiment la prospérité pour les individus. Mais nous, ici, nous définissons la prospérité que selon. Si ton esprit ne prospère pas, ne crois pas que c'est le tiré de la prospérité de trompe, parce qu'un jour ça va partir. Alléluia. Amen. Et c'est cette paix que nous allons parler comme indicateur de la foi. C'est très important que tu examines si tu as la paix. Amen. Souvenons-nous, notre texte central qui nous a conduit à l'enseignement, c'est 1 Corinthiens 13, verset 5. Il dit simplement, examinez-vous si vous êtes à la foi. Amen. C'est-à-dire qu'on peut croire qu'on est de la foi alors qu'on n'est pas de la foi. Amen. C'est pourquoi Pierre disait, les histoires que notre frère Paul nous enseigne sont très, très, très élevées qu'il y en a qui t'entendent le sens. Amen. Ça s'appelle l'intelligence spirituelle de la parole. Je vous dis que quand le
cette nuit, vous avez des fois vous n'avez pas envie de dormir. Moi, j'ai dormi à 5 h du matin. Et je suis allé à l'île, j'avais pas enlevé mon climatiseur. Et puis, j'avais froid aux pieds. Je n'ai presque pas dormi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, la paix que vous connaissez souvent, c'est dans la notion de paix en français. On voit toutes les notions de paix là. Amen. Et c'est entre des individus, entre des nations, on se met d'accord qu'il n'y a plus de guerre. On parle aussi de la paix de soi-même avec soi-même. Il y en a qui ne sont jamais en paix avec eux-mêmes. Qui sont, leur passé, leur tourment, c'est mal. Il y en a qui disent, toi, bah, pourquoi tu es né? Amen. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le prophète Jérémie a dit aussi, maudit le jour où je suis. Moi, je ne dis jamais ça. Je dis, béni le jour où je suis. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que c'est des choses, quand Dieu prend un prophète, je parlais déjà, on va parler des prophètes, mais donc moi, les gens, vous allez voir que. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas l'onction, le prophète, comment ça fonctionne. C'est comme de la folie des fois. Mais une folie qui finit toujours par quelque chose de bon. Alléluia. Amen. Alors, donc, Jérémie, lui, s'est plaint, il dit, maudit soit le jour où je suis né. Amen. Parce qu'il trouvait que chaque fois qu'il parlait, il était rabroué, les gens n'écoutaient pas, les gens étaient. Des fois, il y a ces sentiments-là. Et les prophètes sont les mal aimés. Les vrais sont les mal aimés. Les gens vont les chercher quand ils ont des problèmes. Mais quand ils sont dans leur rôle d'objecteur de conscience, de répondre à les gens n'aiment pas ça. Amen. Mais tout ça, ils doivent faire parce qu'ils n'ont les comptes qu'à rendre à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, on parle de paix. Quand on parle de paix dans la Bible, on sous-tend des choses. Des questions, je dirais. La première chose, dans le monde quand on parle de la paix, amen, on va, il y a la guerre, on fait asseoir les gens, on essaie de trouver des ententes pour que les gens se battent. Mais quand tu es enfant de Dieu, amen, et tu te dis que tu es dans la foi, il y a une question que tu dois te poser. D'abord, es-tu en paix avec Dieu? La première question que je me poserai, suis-je en paix avec Dieu? C'est-à-dire que si Dieu me voit, est-ce qu'il va m'accueillir? Est-ce que j'ai fait la paix avec Dieu? Parce que Dieu lui a déjà fait la paix avec nous à la voie du calvaire. Vous vous souvenez de Ésaïe 53, verset 5, il dit, le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Tu vois, on profite ce matin pour la guérison. Mais pour voir ça aussi que c'est